grande lueur est apparue à l'horizon, et avant midi, nous avons contemplé, non sans enthousiasme, une vaste chaîne de montagnes couronnée de neige qui emplissait notre champ de vision. Nous avions enfin rencontré un avant-poste de ce grand continent inconnu avec ses mondes cryptiques de morts glacés. Thank you.
montagnes lointaines flottaient dans le ciel, comme des villes enchantées. Atterrissage forcé de l'avion de Moulton sur le plateau. Rien de grave cependant. Montagne défie l'imagination. Vous ne pouvez rien imaginer de pareil. Plus haut sommet, dépasse 10 000 mètres. Everest battu.
curieuses ouvertures de cavernes, certaines étrangement régulières, carrées ou semi-circulaires. Abominable vent glacial siffle et résonne entre les pics en traversant passages et cavernes. Abominable vent glacial. Thank you.
Doit prendre immédiatement contact avec station Kingsport. Tenus à distance, ne peuvent pas les sentir. Des êtres anciens censés avoir créé la vie sur Terre par jeu ou par erreur. Les érudits ont toujours pensé que leur conception dérive de très anciens invertébrés tropicaux, déformés au prisme d'une imagination morbide. Font aussi penser aux êtres du folklore préhistorique dont Wilmar nous a parlé, le culte de Cthulhu.
devons maintenant amener 14 grands spécimens au camp sans les chiens qui aboient furieusement et qu'on ne peut approcher. Mais avant tout repos, doit disséquer une de ces choses. D'abord les plus hautes montagnes au monde, et maintenant ça. Si ce n'est pas le point culminant de cette expédition, alors je ne sais pas ce que c'est. Avec ça, notre réputation est faite.
nous avons vu s'élever, sinistres, dans le ciel de l'ouest, nous permettant de distinguer leurs sommets noirâtres, nus et décharnés, et d'effleurer le curieux sens des réalités qu'ils inspiraient alors qu'ils se détachaient sur fond de nuages iridescents dans la lumière rougeâtre de l'Antarctique. Comme si ces flèches de cauchemar ornaient les pylônes d'un terrifiant portail, donnant sur les sphères interdites du rêve et sur des gouffres complexes au fond de l'espace, du temps et des dimensions. Comme si ces flèches de cauchemar ornaient les pylônes d'un terrifiant portail. Je ne pouvais m'empêcher de voir en elles des entités maléfiques, des montagnes hallucinées, dont les pentes surplombaient quelque abîme ultime et maudit. Je ne pouvais m'empêcher de voir en elles des entités maléfiques, des montagnes hallucinées.
espace tout autre que terrestre. Cela nous rappelait de façon déprimante à quel point ce monde étranger, inviolé et inexploré était marqué par l'éloignement, la solitude, la désolation, et par une mort vieille de bien des années.